Alors nos petits Français, ils sont là, toujours là. Soufiane, ça a dit qu'on retrouve. Soufiane, c'est vraiment aussi un peu comme Stéphane Labjage. Tu deviens un habitué des lieux, Soufiane. Oui, absolument. Et ça fait déjà 2 ans que je viens au Bahreïn. Tous les vendredis quasiment. Donc avec le Qatar le reste de la semaine. Donc, c'est toujours sympa. Surtout comme des réunions comme aujourd'hui, c'est important pour une carrière. Donc toi, en fait, t'es basé au Qatar. Donc comment ça se passe? Vous faites des allers-retours? C'est pas trop loin, finalement, en avion? Non, pas du tout. En avion, il y a 45 minutes de vol. C'est assez facile d'accès. On arrive le matin, on repart le soir. C'est quoi les jours de course au Qatar? Mercredi, jeudi et samedi. Ah oui, et le vendredi, sinon. Voilà. Ça fait 4 jours de course par semaine, bien rempli. Non, parce que depuis France, on a l'impression que les gars qui viennent au Golfe Persique l'hiver, c'est moitié coupe, c'est cool et tout. Pas du tout, en fait. Non, quand si on est sollicité, ça peut être cool, hein, mais si on veut faire notre travail à fond, il y a du boulot. Donc après, moi j'ai la chance d'avoir pas mal de professionnels qui te soutiennent et qui font appel à moi, donc du coup ça va des vacances, donc c'est assez intense. Comment ça se passe pour l'instant, ce début de saison? Très bien, pour l'instant il n'y a eu que 4 meetings au Qatar, j'ai déjà 6 gagnants, donc c'est très bien. Et puis là, c'est la première fois que je reviens au Bahreïn, parce que j'ai eu ma femme qui a accouché, du coup je pouvais pas être à la première réunion. Voilà, merci. Donc, Ah bah là, c'est le premier? La première. Ah, la première, bravo, félicitations, ça s'appelle comment? Mia. Eh bien, vous êtes bienvenue dans ce beau monde. En plus de ça, pour la première fois, tu vas monter la grande course, le Bahreïn International Trophy, sur Sovereign Spirit. Même si c'est pas une première chance, évidemment. Enfin bon, même monter la grande, ça fait quoi? Ça fait plaisir. C'est toujours des courses qu'on veut monter à chaque fois et qu'on n'a pas toujours la chance d'y être associé. Mais quand on l'a, on va tout donner pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Eh bien, on croise les doigts pour toi. Tu es là jusqu'à combien de temps? Chaque ans, en fait. Là, je repars ce soir parce que demain il y a des courses au Qatar. Mais je travaille demain matin. Donc, voilà. Et dans le golf, en tout cas, dans le golf jusqu'à mi-mai. Après. Et pas au plaisir de se retrouver dans le golf après. Merci beaucoup, Soufiane. Bon meeting.